Le système sonar avant et arrière permet de détecter les obstacles à l'avant, à l'arrière et au coin du véhicule. Le système est activé lorsque le contacteur d'allumage est à « on » et que le levier de vitesse est engagé en marche arrière ou en position de conduite. Le système se désactive automatiquement des vitesses supérieures à environ 10 km/h et se réactive lorsque la vitesse redescend à environ moins de 8 km/h. Lorsque le levier de vitesse est en position de conduite, ce système détecte les obstacles à l'avant. Lorsque le levier de vitesse est en marche arrière, les obstacles sont détectés aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Lorsqu'un objet est détecté, un témoin vert s'allume et une tonalité retentit par intermittence. Lorsque le véhicule se rapproche de l'objet, le témoin change de couleur, devient jaune et clignote plus rapidement. Lorsque le véhicule est très proche de l'objet, le témoin arrête de clignoter, devient rouge et la tonalité retentit en continu. Appuyez sur cette touche pour désactiver temporairement le sonar. La détection des objets en mouvement sera désactivée en même temps. Appuyez de nouveau sur la touche pour réactiver le sonar. Pour modifier les réglages du sonar, appuyez sur le bouton Menu, touchez Réglages, Sonar de stationnement, puis l'élément que vous souhaitez régler. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système, et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.